maintenant dans le quartier du Christ, où nous avons rencontré de très jolies majorettes qui ont participé à donner à cette fête des Hurlus un air très joyeux dont nous avons été très heureux. Et en avant la musique! Faire maintenant un petit voyage au Canada avec la fanfare royale La Fraternité de Malmedy. Et nous avons en prime de très jolies demoiselles canadiennes. De très jolies demoiselles venues de pays que nous ne connaissons pas. Et enfin un hurlu, et c'est d'ailleurs le seul que nous avons pu voir durant toute cette manifestation. Nous en profitons de vous expliquer ce qu'était un hurlu. En consultant les archives du royaume, nous apprenons que ces hurlus étaient des voyous qui pillaient, rançonnaient et allaient même jusqu'à tuer. C'est au XVIe siècle qu'ils se formèrent en bandes armées. Leur nombre atteignit dans certaines périodes le chiffre avoisinant les 4000, une véritable armée. Leur grand quartier général était installé aux abords du Haut-Judas, dans le quartier du Montaleux, qui veut dire en bon français le Montelou. Ils avaient une sorte de relais à la Bellevue. Ils se livrèrent à des expéditions sur Tournai, Tourcoing et Lille, et réussirent à assiéger le château des Ramées à Moucron, qu'ils tinrent durant des mois, mais qu'ils durent quitter à la suite d'une attaque en règle de soldats wallons mutinés, que l'on appelait les malcontents. Le seigneur de Moucron, Fernand de la Barre, qui les combattit avec énergie, fut cité avec éloge par le cardinal Gravel, qui dit « Grâce au seigneur de Moucron, la région était bien tenue ». Les hurlus furent durement étriés lors d'une expédition menée à Tournai et à Tourcoing pendant l'année 1582, et c'est alors qu'ils disparurent de la région. Parmi leurs exploits, on compte le rapt du curé de Moucron, qui ne fut relâché que contre une importante rançon. Les hurlus, dont le nom provient probablement du nom de hurleur, avaient un signe de ralliement particulier. Ils portaient à la ceinture une écuelle et deux mains jointes pendues à un ruban porté en sautoir. Et nous en avons terminé avec les hurlus et retrouvons Moucron by night. Voici dans la petite rue de Moucron, qui est la seule rue piétonnière dans cette ville, dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs,
où vous pouvez manger à bon compte des brochettes. Et voici les géants, nous ne savons pas s'ils sont des Flandres ou du Hainaut, peu importe. Toujours est-il, ils n'ont pas effrayé les enfants qui sont venus nombreux à cette fête des Hurlus. Voici les Écossais. Le soleil était de la partie à cette fête des Hurlus. C'est pour cela qu'ils avaient revêtu leur uniforme avec une jupette pour éviter les bouffées de chaleur. Et nous allons maintenant écouter notre ami Claude Delaveau qui est allé interviewer des personnalités moucronoises et nous aurons le plaisir d'entendre ce bel accent. Oui, très belle fête. Bonjour. Et qu'est-ce que vous en pensez autrement à partir de la ville de Moucron? Si c'est faux pour le RTR, vous ne parlez pas. Moi je vends du tout collant. Vous vendez du tout collant? Est-ce que vous en vendez encore assez bien? Oui, ça va. Ouais, les Hurlus sont une fête commerciale. Hein. Exactement. Magnifique. Ah, c'est bien. Et de la ville de Moucron, s'il vous plaît. De la ville de Moucron, oui. Très bien aussi. Je suis vraiment moucronois même. Ah oui. Et est-ce que vous amusez bien ici? Très bien, très bien. On vend bien, c'est le principal. On a le beau temps, ça fait beaucoup. Bien, monsieur, vous vendre un t-shirt qui vous irait certainement très très bien. Regardez-moi, regardez-moi. Non, 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 si non, je... non. Si. Pour 170 francs, tout le monde met 170 francs si on veut. Voilà. Attention aux lunettes, là. Alors, à part sur le marché, voilà. Mais maintenant, je peux tout enlever. Est-ce que les petits pains, ça se vend bien? Ah ben pour le moment, on ne peut pas se plaindre, mais c'est surtout à partir de 6 heures, comme ça, quand le monde, quand les gens commencent à attraper faim. De 6 à 10, 11 heures. Quoi. Ah oui, là. Oui, d'accord. La troisième année que ça se fait. La troisième année? La première année, ça s'appelait Shopping Fair, mais maintenant, les deux années qui sont suivies, c'est la fête des rues, typiquement la fête des rues. Alors, qu'est-ce que vous en pensez des... Très bien, très, très agréable de se promener, de toute façon, c'est très agréable. Alors, oui. J'ai mon collègue ici qui va venir faire un rendez-vous, donc chez vous. Chez moi? Oui, bon, pour... Ouais, pour une visite médicale. Ah bon? Très bien. Ouais. Alors, venez, c'est par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez des Hurlus, s'il vous plaît? Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Vous n'en avez pas vu beaucoup? C'est parce que vous n'avez pas voyagé grand-main. Ah non. Et pourtant, il le faut. Il y a trop de monde, vous croyez? Il y a beaucoup trop de monde. Puis avec les enfants, c'est pas facile, hein. D'accord, mais qu'est-ce que vous en pensez autrement? Ouais, c'est bien, mais je pensais que ça allait... qu'elle avait beaucoup plus, quoi. C'est pas fort bien organisé en cause des heures, hein. Il faut danser légèrement comme un oiseau. Oh, 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 remercie-moi, dis-moi.